la compagnie, me revoici pour une nouvelle vidéo, un update, ça faisait super longtemps. Et écoutez les amis, pour la première fois depuis des mois, je me suis maquillée. Ça faisait hyper longtemps que je m'étais pas maquillée et en ce moment je sais pas pourquoi j'avais envie. Et du coup je me suis dit c'est le moment pour filmer des vidéos. Donc là je vais vous en filmer 2 si j'ai la motivation et 3 si j'ai vraiment une motivation de dingue. Du coup... Je vous ai pas filmé d'update et pas posté d'update depuis assez longtemps parce qu'on a eu le vlog sur le FNR entre temps et que j'ai que 2 vidéos solo par mois. Du coup, on va commencer dès maintenant, j'ai plein de romans à vous présenter. On commence par le meilleur parce que je voulais absolument que tout le monde dans cette vidéo le voit, donc je le mets en premier. Il s'agit de Convoité de Tracy Wolfe, c'est le tome 3 de Assoiffé et c'est aux éditions Pegaji. D'ailleurs Tracy Wolfe que j'ai eu l'incroyable chance de rencontrer Non, ce mois-ci, début octobre il me semble, et j'étais trop contente et du coup j'ai fait des photos avec elle, j'ai parlé avec elle, j'ai déjeuné avec elle et elle a dédicacé mes romans. Donc là elle a écrit Laurine, you're fabulous. Je suis fabulous, je suis fabulous. Donc ouais non, merci PKJ, trop contente. Et d'ailleurs ça avait rien à voir avec le fait que je sois youtubeuse ou quoi que ce soit, c'est tout le monde pouvait participer, c'était un peu les premiers qui demandaient à pouvoir être là, qui étaient là, ils avaient proposé et du coup j'ai envoyé un mail et puis voilà. Non même pas, j'ai peut-être rempli un Google Form, je sais plus. Enfin bref, du coup j'ai postulé, j'ai été prise et trop contente. Donc convoité, enfin non, l'histoire en général c'est quoi? Je crois que c'est une série de 6 tomes, il y a le tome 4 qui sort dans quelques... Non, le tome 3 et demi. Enfin pas 3 et demi, en gros le tome 3, il en sépare en 2 tomes, là c'est la première partie du tome. Et la deuxième partie sort le 10 novembre, je sais plus, en novembre, et je crois que le tome 4 sort en janvier, quelque chose comme ça. Du coup, en gros c'est de la Dark Academia, donc Dark Academia c'est quand ça se passe dans une école, et puis c'est une ambiance un peu spéciale Dark Academia. Et là en gros c'est une fille qui débarque parce que ses deux parents sont morts, elle débarque dans un internat en Alaska parce que c'est son oncle qui le dirige. Sauf qu'en fait c'est pas un internat normal, il se passe des choses un peu bizarres, donc surnaturelles, tout ça tout ça. Du coup là on continue les aventures de... Ah, comment s'appelle cette fille? Je sais plus comment elle s'appelle. Il y a Jackson mais elle, Ali peut-être? Non, Alice dans High School, elle s'appellerait pas Ali aussi? Bref, je sais plus comment s'appelle la nana, mais j'ai trop aimé ce tome-ci. En gros, le tome 1, j'avais vraiment adoré. Le tome 2, alors que tout le monde l'a surkiffé, moi je l'ai trouvé un petit peu moins bien parce que j'ai trouvé que l'héroïne devenait un petit peu agaçante. Parce qu'en fait, sur ces romans, il y en a pas mal qui disent que c'est trop un peu gamin. Un peu genre copier Twilight, gamin, tout ça. Moi, je suis pas d'accord. Honnêtement, je trouve ça très bien, très drôle. C'est pas un truc à prendre trop au sérieux non plus, mais c'est très amusant. Donc moi, j'aime beaucoup. Mais en fait le tome 2 justement j'ai ressenti ce truc de l'héroïne m'a agacée, elle est un peu gamine dans ses réactions, elle m'énerve. Et c'est pour ça que je l'ai un peu moins aimé que les autres et que le premier tome. Par contre ce tome 3 est tellement remonté dans mon estime, genre j'ai trop aimé. Donc ça a clairement été incroyable, c'est un coup de foudre, donc oui coup de foudre. Pour le moment je pense que c'est mon top 5 de l'année, donc s'il y en a pas qui vont plus haut, il restera dans mon top 5, sinon il ira en top 6 je pense, mais en tout cas j'ai trop aimé ce tome 3 et j'ai tellement hâte que la deuxième partie sorte, c'est incroyable. Donc j'ai absolument retrouvé ce que j'avais perdu dans le tome 2, donc retrouvé ce que j'avais vu dans le tome 1 qui m'avait juste énormément plu, et je le sentais à la fin du tome 2 que ça allait devenir hyper intéressant parce qu'il y a un autre personnage qui est introduit dans le tome 2 en fait, et je l'ai juste surkiffé comme tout le monde, et je sentais que pour la suite il allait être génial. Même s'il commence à l'être dans le tome 2, l'héroïne elle a tout gâché. Et dans ce tome 3 c'est vrai que j'ai profité à fond. Même s'il était moins présent que du coup que dans le tome 2, je quand même trop kiffé. Donc c'était vraiment beaucoup moins gnangnan que dans le tome 2. J'ai accroché du début à la fin, même s'il est beaucoup plus court du coup vu qu'il a été coupé en deux. Mais non vraiment je me suis pas ennuyée, c'était pas gnangnan, c'était pas trop niais, enfin j'ai trop aimé. Donc je l'ai dévoré, j'ai pas pu m'arrêter de lire, c'est un truc qui se bouffe incroyablement vite. Et j'ai énormément rigolé aussi, l'humour, mais l'humour de l'autrice me tue en fait. La romance que je trouve exceptionnelle a su me mettre des papillons dans le ventre et j'ai trop hâte de continuer à suivre cette romance parce que ça passe des trucs et tout, moi j'ai hâte de voir quand ça va finir. Donc bref, cette petite romance, enfin non c'est pas une romance, ce livre ado me plaît énormément. D'ailleurs je crois qu'il n'y a pas qu'il y ait de scène sexuelle,
Donc si ça vous plaît, voilà, c'est pour les adolescents PKG. Donc j'ai juste trop 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 aimé, je recommande à fond, il y a eu plein de péripéties de ci, de ça. Même s'il y a peut-être moins d'action que dans le deuxième tome quand même. Mais c'est parce que bah, ça a été coupé en deux, donc ça laisse présager plein de choses dans la deuxième partie. Et j'ai juste surkiffé et je vous recommande à fond cette saga. J'adore. Ça date beaucoup, mais je crois qu'en juillet, j'ai lu Bienvenue à Lafayette de Océane Ghanem aux éditions Hugo Roman, que j'ai fait également dédicacer, je crois. Yes, je l'avais rencontré au salon Dream Books, qui se passe près de chez moi. Donc pour Laurine, ravie d'avoir fait ta connaissance. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Des bisous, Océane. Océane qui s'est pris un gros bad buzz qu'elle a pas du tout mérité. 2 secondes. Oui? Alors pour la petite anecdote, ma copine Juliette vient de m'appeler pour là il y a 2 secondes. Et du coup elle va venir à la maison et elle va me regarder tourner. Donc voilà, à partir de maintenant, dans 5 minutes, on aura une spectatrice. Donc bienvenue à Lafayette, j'avais rencontré l'autrice qui était juste adorable. Oui, elle s'est pris un bad buzz, c'est ça que j'étais en train de dire. Absolument pas mérité. En gros, c'est pour une autre saga. Mais je crois que c'était pour un personnage qui. Oh, j'ai pas envie de rentrer dans les dramas, venez pas me saouler après, hein. Mais en gros, juste elle avait un short. Enfin, son personnage avait un short et est rentrée dans une église. Et elle s'est pris un tollé de haine, genre des menaces de mort et tout. Abusé. Enfin bref, cette autrice est un ange. C'est son premier roman chez Hugo. Et j'avais trop hâte de le lire parce que cette autrice, je l'avais lue sur Wattpad il y a 6 ans à peu près. Et ouais, ça a été une de mes premières romances, etc. Donc trop aimée. Et du coup, pendant ce salon, j'ai acheté ce tome que j'avais lu sur Wattpad pour voir quel effet ça me ferait de le lire en papier tout ça. Bref, bienvenue à Lafayette. C'est l'histoire d'une fille qui cherche une coloc parce qu'elle a besoin d'un endroit où vivre. Je crois qu'elle vivait un peu dans sa voiture ou un truc comme ça. Et elle a échangé avec du coup ce qu'elle pense être 3 filles qui seraient ses 3 futurs colocataires, sauf qu'en fait c'est 3 hommes et elle était pas du tout au courant. Donc c'est des prénoms archi mixtes. Donc Camille, Andrea et Océan. Donc Océane, Océan. Et en fait elle pensait vraiment que c'est des meufs alors que c'est des mecs. Et c'est des personnages très à part. Donc il y a un militant, c'est Océan, militant écologiste. Il y a Camille, un musicien hyperactif. Et Andrea, un muet, qui est genre adorable, super doux et tout. Et du coup c'est vraiment un livre à part. J'ai beaucoup aimé, mais c'était pas non plus incroyable. Je sais que mon amie Juliette, justement, a vraiment adoré. Je crois qu'elle a peut-être même eu un coup de cœur, mais moi j'ai un peu moins aimé. Parce que je pense que j'en attendais beaucoup trop, et du coup voilà. Mais j'ai beaucoup aimé quand même. Mais c'est surtout très original, ça change de d'habitude. Je précise que y a un langage assez cru niveau sexuel, dans les scènes sexuelles aussi. Donc je préfère le prévenir, il y a un langage assez cru. Ah oui, et grosse tension sexuelle aussi. Au début, j'avais peur que ça tourne que autour de cette tension. Mais finalement, ça va. Mais ouais, quand il n'y a pas de sentiment, bof. Mais non, finalement, ça arrive après. Donc c'est une histoire vraiment à part avec le côté écologie, parce qu'on en parle quand même assez. C'est un slow burn niveau relation, pour ceux qui aiment ça. Donc au début, j'étais un peu déçue, parce que c'est vrai que je m'attendais à mieux, j'étais pas totalement à fond dedans, mais au final, ça a commencé à me prendre, et j'ai plutôt bien aimé. Donc j'ai été assez contente. Parce qu'au final, je me suis assez attachée au personnage, parce que les 3 colocs, ils sont quand même assez spéciaux. Peut-être que j'aurais pas préféré une romance avec lui. Maintenant que j'y pense, je sais pas trop. Après, ça fait des mois que je l'ai lu, vu que je l'ai lu en juillet. Mais c'est vrai que, ouais, c'est spécial. Donc les personnages secondaires sont aussi très spéciaux. Et j'ai trouvé qu'il y avait une grosse ouverture pour un tome 2 avec un des autres colocataires. Au final, j'ai écrit que j'ai passé quand même un excellent moment et que c'était pas parfait. Donc j'avais mis 19 sur 20. Avec le recul, je pense que je me souvenais pas que j'avais autant aimé. Donc moi j'aurais mis moins avec le recul, mais bon apparemment quand je l'ai lu j'avais mis 19. Il me manquait un petit quelque chose pour le coup de cœur et je trouve que ça a été trop long parfois dans. Je trouve que le style était un petit peu trop long de temps en temps. Mais également très original parce qu'il y a tout un côté avec les animaux exotiques, etc. Et bah vraiment en fait ce roman était très original dans plein d'aspects. J'ai ensuite lu aussi l'été, je crois. En fait ces lectures datent d'il y a très longtemps. Donc celle d'avant c'était juillet, là je pense qu'on est ouais, sur du juillet-août. Du coup The Boy on Fire d'Emma Green, c'est un tome compagnon de The Boy Next Room, je crois qu'il s'appelle. Ou The Boy Off, non, The Boy Next Room, voilà. On me fait oui derrière. Donc The Boy Next Room, donc d'Emma Green. Donc c'était les frères qui habitent en Australie. Sur le premier c'était Céleste qui en fait allait chez son père. Et du coup c'est les fils de son père. Donc c'est demi-frère. Et là, du coup, on est sur un autre frère de la fratrie de 4 frères. Et en fait, c'est une histoire de secte. Et quand je l'ai acheté, parce que je l'ai acheté en fait au Salon du Livre de Paris l'année dernière, d'ailleurs,
J'étais en train de me dire qu'il n'était pas dédicacé. Ah, si, sur la page d'avant. Dédicacé également, ça fait 3 livres que je vous présente, 3 livres dédicacés quand même. Je sais pas ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, j'ai lu tous mes livres dédicacés. Donc, bah non, en fait, j'ai... Non, il y en a que j'avais fait dédicacer après. Enfin bref. Du coup, donc ouais, histoire de secte. Moi, en fait, je l'avais acheté parce que c'était leur dernier. Genre, j'avais pas regardé l'histoire avant, mais je dis, de secte ? Spécial quand même, un peu spécial. Donc, j'avais jamais lu d'histoire de secte. J'étais un peu sceptique au début, mais en fait, génial. Donc, c'est un des 4 frères qui rentre dans une secte pour aller chercher un de ses autres frères qui s'est fait embrigader. Et en fait, il veut le faire s'échapper de cette secte parce que les sectes, c'est pas génial. Du coup, voilà. Et il rencontre une autre fille qui s'était échappée de cette secte. Et elle y est retournée. Et en fait, ils doivent se marier. Genre, ils ont pas le choix. Il a 21 ans. Et son petit frère, il a 17 ans quand il est dans cette secte. Enfin bref, du coup, tout tourne autour du fait qu'ils doivent se marier. Parce que bah, c'est la romance entre deux et on alterne entre les points de vue. Et que bah, il essaie de sauver son petit frère, mais qu'il veut pas être sauvé. Donc voilà. J'ai trouvé que sur la première moitié, c'était un petit peu lent. C'est vrai qu'au début, je me suis un peu ennuyée. Après, c'était très développé en fait sur l'univers. Et ça, c'était juste génial. On voit un peu moins ça dans la romance en plus. Et ouais, c'était assez développé sur comment ça se passait sur la secte, les sentiments un peu de l'un et de l'autre, etc. Et ça, en fait, ça m'a aidé à m'immerger dans l'histoire et dans cette secte. Et j'ai juste adoré. J'ai été trop à fond dedans. Parce qu'en fait, l'univers, je trouve ça dingue. Je trouve ça tellement innovant. Bah, cette histoire que bah, j'ai été à fond dedans, même si ça me touche pas personnellement, mais ça me touche pas de généralement, enfin je pense pas souvent aux sectes, c'est pas un truc auquel je me dis les sectes ce matin, non ça m'arrive pas, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel j'aurais pu penser que ça m'aurait plu, mais au final j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et d'ailleurs avec ma copine Juliette on a eu exactement la même réaction après avoir lu ce bouquin. Bah en fait on s'est mise à regarder des documentaires sur les sectes. Est-ce que tu savais ce que j'allais dire? Vraiment, les documentaires sur les sectes, ça, on l'a fait après, quoi. Parce que ouais, en fait, on n'en parle pas souvent et encore moins dans les romances, donc je trouve ça hyper intéressant. Je vais vous lire en fait ce que j'ai écrit parce que trop la flemme de vous répéter. Du coup, au début, c'était juste une très bonne lecture parce que gros plus sur l'univers, quoi. Mais c'était un peu trop lent. Donc, en fait, c'est la romance qui était trop lente et du coup, ça me saoulait un peu. Donc c'était juste une très bonne lecture, puis après ça a commencé à exploser dans tous les sens. Et donc là j'ai commencé à être totalement dingue. En fait ça commence à faire po et moi je suis en mode ah. Voilà, c'était un petit peu le récapépète de ce qui s'est passé dans ma tête. Donc romance incroyable, slow burn, tu t'attaches de ouf au personnage, genre les deux, enfin j'étais à fond dedans, genre c'est mes petits bébés en fait. Les joutes verbales entre les personnages, on adore toujours quand ils sont en mode là, t'as l'impression de suivre un match de ping-pong en fait, genre t'étais comme ça. T'es comme ça, j'aime trop les joutes verbales, genre vraiment, quand ils ont du caractère et que ça se balance des pics et tout, enfin moi je suis archi là. Donc j'étais absorbée et j'avais du mal à le lâcher. Par contre le personnage du petit frère, j'avais envie de l'étrangler en fait. On me fait oui derrière la caméra, genre oui, on a envie de l'étrangler, genre vraiment. Alors qu'il est tellement attachant dans le premier tome, enfin dans le tome d'avant, enfin là il était vraiment, j'avais envie de le frapper clairement. Du coup il y a eu un ou deux moments où j'ai eu les larmes aux yeux. Et surtout gros plus, qui est un mini spoil, mais à la fin j'ai adoré comment le traumatisme a été abordé. Comme quoi c'est pas toujours tout beau, c'est pas toujours tout rose, et que c'est pas parce qu'on a vaincu les méchants que tout se passe bien en fait. Et je trouve ça tellement réaliste et tellement bien qu'on en parle, que au final à la fin de l'histoire peut-être que les personnages principaux ils vont pas si bien que ça mentalement. Et j'ai juste trouvé ça génial, donc gros plus. Love Song 2 de Aurore Payel, il s'appelle Beating Hearts. J'avais lu le... C'est chez Cherry Publishing et je les remercie de l'envoi aussi. D'ailleurs on n'est plus partenaire avec Clem, du coup j'ai encore pas mal de Cherry Publishing à lire, mais après j'en recevrai plus en service presse. Du coup si j'en aurai, après ce sera en achat. Mais je pense pas parce que j'en trouve rarement en magasin, donc c'est un peu galère, faut les commander. Du coup Love Song, j'avais déjà lu le tome 1, c'était l'histoire d'un mec qui faisait de l'escorte et la fille, je crois qu'elle était pas au courant, ouais c'est sa copine qui avait payé le mec et l'héroïne n'était pas au courant qu'en fait il était payé pour, et ils faisaient semblant de sortir ensemble pour rendre jaloux l'ex de la meuf, enfin bref toute une histoire comme ça, genre fake dating etc. Donc là on suit deux autres membres du groupe de musique du mec escorte du 1. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Love Songs, parce qu'on suit, enfin le lien entre les romans c'est le groupe de musique. Et là on suit deux personnages qui sont dans le groupe, le groupe Summer 14, donc on suit Judith et Matt. Et en gros, comment vous dire, juste avant que la fille intègre le groupe de musique, ils ont couché ensemble,
ou alors ils ont failli coucher ensemble, en tout cas il y a eu un truc entre eux, et après elle a été intégrée dans le groupe et ils savaient pas qu'ils allaient se retrouver dans le même groupe en fait, et il y a grave des tensions entre eux, ils peuvent pas se supporter, etc. Et du coup c'est un peu enemies to lovers cette romance, qui est assez courte, hein. Elle fait 300 pages. Honnêtement j'ai pas énormément accroché, j'avais beaucoup plus aimé le tome 1. D'habitude j'aime bien quand les deux personnages principaux s'accrochent un peu, ils s'aiment pas forcément etc. Mais là honnêtement j'ai trouvé qu'ils avaient pas de raison de pas s'aimer et je les ai trouvés un peu ridicules. Donc ça m'a pas aidé à m'accrocher à eux. Par contre il y a deux trois dessins dans le roman et ça j'ai trouvé ça hyper sympa. Enfin j'aime trop quand il y a des choses comme ça. Donc des passages du roman qui sont illustrés en illustration, enfin je trouve ça génial. Et en plus ils sont archi bien faits je trouve. Donc honnêtement j'aime beaucoup. Le début du roman c'est un peu avant la fin du premier tome. Donc dans ce tome-ci en fait on retrouve une scène qu'on a déjà dans le premier tome, mais du coup d'un autre point de vue. Donc d'un côté j'aime bien et d'un autre j'aime pas parce que je retrouve ce que j'ai déjà vu. Mais d'un autre c'est bien parce que t'as le point de vue des autres personnages. Donc oui et non, il y a du bon et il y a du mauvais. Pour ceux que ça intéresse, vu que j'essaie de penser à vous le dire maintenant, vu qu'il y en a qui s'intéressent, il n'y a qu'une scène de fesses et en plus il y a plein d'ellipses si ça arrive. Et encore dans cette scène, il y avait peut-être même des ellipses. Donc vraiment niveau sexe, ça va. Mais du coup, ouais, je me suis assez ennuyée. À la fin, j'ai même sauté quelques paragraphes. Ça tourne un peu en rond. Je trouvais que cette histoire, en fait, elle servait un peu à rien, honnêtement. Genre, c'était des bofs parce que bah j'ai pas accroché au personnage, je trouvais qu'ils avaient pas de raison de se haïr et puis quand ils commencent à s'aimer, enfin j'ai pas accroché tout simplement. Bon, je viens de me rendre compte que sur les deux prochains romans j'ai pas pris de notes. Du coup ça va être un petit peu plus fouillis. J'ai lu The Kiss Quotient d'Hélène Wang aux éditions Hugo Roman. C'est l'histoire d'une fille, ah oui j'avais adoré ce roman, c'est l'histoire d'une fille qui est trisomique je crois, ah syndrome je sais toujours pas le dire. À chaque fois que j'ai un roman avec ça là-dedans, je sais toujours pas le dire. D'Asperger ou d'Asperger? D'Asperger, non? Bref. Je dirais le syndrome à chaque fois parce que je sais jamais le dire. Donc, elle est atteinte du syndrome. Elle est en mode... fait quelque chose avec les chiffres. Pas comptable, mais un truc dans ce style-là. Genre, elle est vraiment à fond dans les chiffres, les statistiques, etc. Et elle a couché avec un mec, mais en fait, elle s'amuse pas quand elle couche. Elle comprend pas trop comment ça marche parce que, bah, quand t'es atteint du syndrome, souvent les relations sociales, c'est pas trop ton truc. Sauf que elle aime toujours tout bien faire. Elle aime tout. Bah, en fait, elle est super intelligente, donc elle aime quand. Elle aime pas avoir des lacunes, en fait. Et du coup, elle se met à payer un homme, un escorte, je crois. Pour qu'il lui donne des cours et qu'il s'entraîne en fait à coucher ensemble pour qu'elle soit prête à le faire avec d'autres mecs. Et bah c'est juste dingue déjà, hein, comme concept. J'ai juste trop aimé. Et du coup, ouais, il lui loue son corps pour qu'elle apprenne à s'entraîner. Et en fait, le mec, il est juste trop sympa. Et du coup, c'est pas juste qu'ils couchent ensemble et tout. C'est en mode, il essaie de lui apprendre des petits trucs et il voit qu'elle est pas prête en fait. Et du coup, il prend soin d'elle, tout ça. Et c'est juste adorable. Et cette romance, vraiment, c'est hyper romantique, c'est adorable. Et je crois que ça avait presque été un coup de cœur. Enfin, vraiment très 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 bonne lecture. J'avais trop aimé. J'avais eu un peu de mal à le lire parce que c'est très très écrit vraiment petit. Pour du gros roman, enfin c'est hyper petit. Et donc ouais, j'avais eu un peu de mal à le lire. Il fait 350 pages en écrit tout petit. Mais ouais, j'avais juste trouvé ça hyper original dans l'histoire. J'avais adoré les personnages, leurs relations. Enfin, je les trouvais adorables. Et j'ai aimé l'avancement en fait du personnage principal, de voir comment elle évolue, tout ça. Enfin, j'avais été à fond dedans. Donc très très bonne lecture, même si je me souviens plus vraiment des détails. J'ai également lu Layla de Colleen Hoover. C'était le dernier roman qui me restait, que j'avais acheté au FNR 2021 et que j'avais pas encore lu. Et Colleen Hoover, vous savez que je suis accro à Colleen Hoover. Du coup, chez Hugo Roman du coup. Histoire très spéciale parce que c'est sa première et seule, je crois, romance surnaturelle, enfin paranormale. Comment dire, c'est deux personnes qui tombent amoureuses. Ah, c'est compliqué. En gros, le mec, il la rencontre pendant le mariage de la sœur de l'héroïne. Il tombe amoureux, c'est un peu lune de miel. Il la passe dans une... J'ai craché de ouf. Il passe genre le mariage dans une chambre, du coup, isolée des autres, en fait, tous les deux. Et ils apprennent à se connaître, genre coup de foudre, vraiment. Ils finissent par déménager ensemble ou un truc comme ça. Et plusieurs mois plus tard, la fille a un accident.
et quand elle sort de l'hôpital, elle est grave différente et leur relation se met à se détériorer. Du coup, le mec, il la ramène dans cet endroit où ils s'étaient rencontrés. Et à partir de là, il se passe des choses bizarres dans la maison, des meubles qui bougent de place, etc. Et peut-être même qu'il y a une histoire de fantôme ou de choses comme ça. Donc voilà, histoire paranormale très très spéciale, honnêtement. Alors, il y a une part de moi qui a beaucoup aimé et une part de moi qui est grave en mode... C'était quoi ce bordel? Genre vraiment. Je saurais pas vous dire si j'ai vraiment aimé, en fait. C'est parce que c'est vraiment spécial. Quand on connaît la fin et tout, en fait, je pense que quand t'es dedans, t'es en mode, ça, c'est trop chelou. C'est trop bizarre, pourquoi il se passe ça et tout. Et quand t'apprends après la fin, tu te dis, ah, je comprends mieux. Mais bon, du coup, en soi, quand tu le lis... J'avoue que, en plus je l'ai lu en 24 heures je crois, genre vraiment je voulais un peu le passer, mais c'était pas aussi bon que du coup les nouvelles généralement. Après la plume est toujours exceptionnelle, mais c'est vrai que j'étais un peu déçue par rapport à ce que Colleen Hoover peut faire en fait. Donc voilà, c'était pas la best lecture du monde, c'était un peu trop spécial pour moi. Donc bon, je pense que maintenant il faudrait que je lise Verity de Colleen Hoover, qui est son seul thriller. Et apparemment il est assez exceptionnel, mais c'est un peu comme celui-là, c'est très différent de ce qu'elle fait d'habitude, donc je sais pas si je vais aimer. Mais faudrait quand même que j'essaie, parce que bah, Colleen Hoover c'est une de mes autrices préférées, donc j'essaie quand même de lire tous ses romans. Mais c'est vrai que peu à peu j'ai l'impression que plus elle sort des trucs et je les aime pas. Et je préférais ses premiers romans en fait. Donc bon, bof, je sais pas trop si je vous le recommande, c'est spécial, voilà. Et dernier roman de cette update, j'ai lu Fils de l'infini de Adam Silvera aux éditions Robert Laffont. Adam Silvera, c'est celui qui a écrit Et ils meurent tous les deux à la fin, que j'avais pas du tout aimé. Je m'étais grave fait chier, genre vraiment, j'avais pas du tout été touchée, enfin j'avais pas aimé. Mais j'avais acheté celui-là, du coup parce que c'était lui et qu'il était grave connu, je m'étais dit pourquoi pas, avant d'avoir lu Et ils meurent à la fin. Et du coup c'est sa première histoire de fantasy ou fantastique, je sais plus. Et c'est une histoire MM. Et je trouve ça trop dommage parce que j'ai l'impression que tous les livres MM que je lise, à chaque fois, je les aime pas. Ça n'a rien à voir avec la relation, mais à chaque fois il y a des choses que j'aime pas. Donc ce livre là, je l'ai lu en lecture commune avec une abonnée. Et bah, elle attend que je fasse cet update, hein. Ça y est, il est là. Ce roman, ça a été un supplice. Je me suis demandé si j'allais l'arrêter en cours, mais vu que j'étais en lecture commune, ça m'a motivée à le continuer. Mais je veux pas dire que c'est de la merde parce que ça se fait pas. Mais vraiment, on n'en est pas loin. Première chose que j'ai écrite, gros bof. C'était franchement pas génial, je ne lirai pas la suite, et c'est le dernier roman de cet auteur que je lirai, parce que c'est déjà le deuxième que je n'apprécie pas. Voilà. Donc il y a une suite, il y a le deuxième tome qui est sorti, je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, mais en tout cas il y a deux tomes qui sont sortis en français et je ne lirai pas le tome 2. À la limite spoilez-moi sur ce qui se passe, et encore je me souviens de moins en moins ce qui se passe dans ce roman. D'ailleurs je vous ai même pas fait synopsis, en gros c'est deux jumeaux qui vivent à New York, il y a toute une histoire de céleste, de surnaturel, de pouvoir, etc. Il y en a un qui veut être célèbre, qui veut absolument des pouvoirs, l'autre qui en veut pas, dommage, ça tombe sur lui, il en a, il doit sauver le monde alors qu'il veut pas, et que son frère il veut juste qu'il sauve le monde alors que lui il a aucun pouvoir. Voilà, ça tourne autour de ça. C'est de la merde, je vous le dis. Vraiment, voilà. J'ai eu énormément de mal à rentrer dedans déjà. Donc à 150-200 pages sur 400, c'était toujours... je comprenais toujours pas en fait. Très long, je comprenais pas l'univers, je comprenais pas l'intérêt. Enfin, j'ai vraiment perdu en mode... ouais, cool, mais bon, allez, mets-nous de l'action, mets-nous des trucs intéressants, je sais pas. Je comprenais rien l'univers, j'étais totalement perdue. Entre l'univers, les nombreux personnages, les différents points de vue aussi. Vous savez que je suis pas fan des différents points de vue. Bah, il y en avait plein, j'étais paumée. Vraiment, entre l'univers, les tonnes de personnages et tous les points de vue... moi il en faut pas plus pour me perdre en fait. Les personnages sont exécrables, surtout l'un des frères, celui qui veut être absolument célèbre. Mais le mec, c'est une tête à claque, mais une tête à claque, vraiment, il était insupportable, j'avais envie de l'étrangler, vraiment. C'était un supplice de lire de son point de vue. En fait, il est tellement en mode, ouais, nanana, moi je veux être célèbre, et moi j'aurais pas fait comme toi, moi j'aurais été un homme, moi je me serais battue. Oh mon dieu, ta gueule. Atroce. Il pense toujours en fait que c'est lui le meilleur et que lui il aurait fait mieux et que si et que ça. Enfin, vers la fin, je suis un petit peu rentrée dedans, ça a commencé à être intéressant. J'avoue que j'avais envie de connaître le dénouement et savoir comment ça allait se passer après, mais pas assez pour l'acheter. Donc, très mauvaise lecture, grosse erreur, je lirai pas la suite. Et surtout, grosse déception. C'en est fini de cet update. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous ai présenté des exceptionnelles lectures comme la première et des très mauvaises comme la dernière.
Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao!